Bonsoir et bienvenue pour ce rendez-vous virtuel au cœur du Festival de Stavelot. Ce soir, je vous emmène à un concert assez particulier avec Julien Libert et Lorenzo Gatto, ici même dans les caves de l'abbaye de Stavelot. Alors, pourquoi un concert particulier? Eh bien, vous connaissez peut-être le principe de la programmation 2.0 des festivals de Wallonie. À tout moment, vous pouvez discuter avec nous dans les commentaires, que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube. Et puis, vous pouvez aussi poser toutes vos questions aux artistes. Et je me ferai un plaisir de leur transmettre à l'issue du concert grâce à un visio où nous pourrons discuter et puis surtout répondre à vos questions, alors n'hésitez pas. Puisque je suis aujourd'hui dans les caves de l'abbaye de Stavelot, qui sont un peu le fondement de ce lieu emblématique de l'abbaye, de la ville et puis surtout du festival, eh bien je vous propose de revenir un petit peu sur les fondements de ce lieu et de vous parler de l'histoire de l'abbaye de Stavelot. Tout commence au 7e siècle quand un moine bénédictin du nom de Remacle arrive d'Aquitaine pour fonder le monastère de Stavelot-Malmedy. Pendant 11 siècles, Stavelot devient un siège d'intenses activités spirituelles, scientifiques et artistiques. Un rayonnement qui s'achèvera en 1794 avec les mouvements révolutionnaires. Même si on a encore la chance d'admirer une bonne partie des bâtiments restaurés de l'abbaye, la basilique romane a été complètement détruite lors de la Révolution, ne laissant aujourd'hui que des ruines. En ce qui concerne les caves dans lesquelles je me trouve actuellement, les artistes habitués du festival les connaissent bien, puisqu'on y organise habituellement à l'issue de chaque concert un grand dîner avec les artistes, les bénévoles, le public, et puis ici, dans la cave juste derrière moi, on fait habituellement des fêtes, des grands banquets. Alors à défaut de pouvoir profiter de ces lieux cette année, je vous propose d'assister à un concert, vous le verrez, envoûtant, puisque les lieux juste là derrière moi vont être transformés. Mais avant ça, parlons un petit peu des deux musiciens que vous entendrez ce soir. Après des études de violon au Conservatoire Royal de Bruxelles, Lorenzo Gatto se fait connaître en 2009 lorsqu'il décroche le deuxième prix au concours Reine Elisabeth. L'année suivante, il est élu Rising Star et enchaîne depuis les tournées internationales, les enregistrements et également un poste de professeur, assistant d'Augustin Dumay à la chapelle Reine Elisabeth. À ses côtés, caché derrière le piano, il y a Julien Libert. Julien a lui aussi étudié au Conservatoire Royal de Bruxelles, ainsi qu'à Paris et à la chapelle Reine-Élisabeth avec Maria Roa Pires. En plus de sa carrière soliste, Julien aime particulièrement la musique de chambre. Récemment, Julien et Lorenzo ont entrepris d'enregistrer l'intégrale des sonates pour violon et piano de Ludwig van Beethoven. Et ça tombe bien, vous le savez maintenant, 2020, c'est l'anniversaire des 250 ans de la naissance du compositeur. Et c'est pourquoi le Festival de Stavelot a décidé de mettre Beethoven au cœur de sa programmation. Alors, je vais vous parler tout de suite du programme de la soirée. Je prends pour ça mes petites notes. Nous entendrons aujourd'hui une de ces sonates, justement la sonate numéro 7 en ut mineur, opus 30, numéro 2. Alors, il faut savoir que cette sonate fait partie d'un cycle de 3 sonates. Alors il y a évidemment énormément de sonates pour violon et piano, mais il y a ce cycle de 3 avec la sonate numéro 6 en la majeure, la sonate numéro 7 en do mineur qui nous intéresse ce soir, et la sonate numéro 8 en sol majeur. Alors ces 3 sonates pour violon et piano, elles sont composées par Beethoven en 1802. Beethoven a alors 32 ans et c'est un moment important de sa vie puisque c'est le moment où il va vraiment se rendre compte que sa sourdité est quelque chose qui ne cesse d'accroître et qui va finalement l'enfermer dans une bulle. Et lors de l'été 1802, il va se retrancher à Heiligenstadt. Alors Heiligenstadt, c'était à l'époque de Beethoven un petit village au nord de Vienne. Aujourd'hui, ça fait partie de la banlieue proche. Et c'est là-bas que Beethoven va énormément se poser des questions et notamment penser au suicide. Et c'est à ce moment-là, un petit peu plus tard, à l'automne 1802, qu'il va écrire une lettre à ses deux frères. Une lettre qu'on intitule aujourd'hui le testament d'Heiligenstadt, puisque c'est un peu une lettre d'adieu dans laquelle Beethoven explique qu'il ne peut rien faire, qu'il ne peut plus lutter et qu'il est désespéré. Alors heureusement, ce n'est pas entièrement ça qu'on ressent dans cette sonate, c'est plutôt une lettre qu'il avait écrite en 1801 qui va nous éclairer sur le caractère de cette sonate, puisque Beethoven dit, je cite, « Oh le monde, je voudrais l'étreindre si j'étais délivré. Ma jeunesse, je le sens bien, prend son essor juste maintenant. Chaque jour, j'approche un peu plus du but que je ressens, mais que je ne peux pas décrire. Pas de repos. Je veux saisir le destin à la gueule. Il ne réussira sûrement pas à me courber tout à fait. » Ce sont là les mots de Ludwig van Beethoven et sans plus attendre, je vais vous laisser en musique avec la sonate numéro 7 en do mineur opus 30 numéro 2 de Beethoven avec Julien Libert au piano et Lorenzo Gatto au violon. Moi je vous retrouve si vous le désirez dans le chat, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, ainsi que à l'issue de la représentation avec les artistes dans un visio. Et d'ici là, je vous souhaite un excellent concert.
Thank you.
Thank you.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cet après-concert virtuel un peu particulier. Je suis aujourd'hui avec Julien Libert. Bonsoir Julien. Bonsoir Valentine. Alors Julien, vous êtes tout seul aujourd'hui parce que Lorenzo n'a pas une aussi bonne connexion que nous. Donc nous, on est tous les deux avec le public ce soir. D'abord, première question, Julien, vous êtes où? Là, dans ce petit décor avec un tableau orange assorti à mon bandana. Bah, comme quoi, on a bien quelques lignes de coups. Donc moi, je suis à Bruxelles, sous à peu près 40 degrés. En tout cas, c'est à peu près comme ça que ça me donne l'impression. Mais c'est un peu pareil pour tout le monde ces jours-ci. Donc, on fait avec. J'imagine. N'hésitez pas d'ailleurs, le public, à nous dire dans les commentaires si l'un d'entre vous est peut-être sous la barre des 30 degrés. Ça peut être intéressant de savoir où est-ce qu'il ne fait pas trop chaud. Alors, Julien, une première question après ce concert. Le duo que vous formez avec Lorenzo Gatto, c'est un duo que peut-être certaines personnes ont déjà vu. Il existe depuis quand ce duo? Vous vous êtes rencontrés comment et quand est-ce que vous avez eu l'idée de travailler ensemble? Bah, nous, on se connaît depuis quand même très longtemps, parce que le monde musical, en tout cas belge, est petit, comme tout le monde musical. Donc, je pense qu'on a dû se rencontrer avant 2010 encore, je pense. Mais c'était, voilà, on se croisait, on se connaissait, mais on n'avait pas travaillé ensemble. Et puis, voilà, en 2012, on a eu la suggestion de la part de Gilles Le Dur, de Flaget, de déchiffrer ensemble un peu les sonates de Beethoven. Donc, on s'y est mis tranquillement. On a fait une première lecture, je pense, ouais, été 2013. Et puis, ça parce qu'on a vraiment commencé à se fréquenter beaucoup, on avait intérêt parce qu'il fallait apprendre toutes ces sonates de Beethoven et ça prend du temps. Oui, justement, ça prend du temps, on se rend peut-être pas compte. Il y a 3 CD quand même. Où est-ce que vous avez trouvé tout ce temps déjà de travailler? Comment est-ce que vous vous arrangez ensemble? Est-ce que vous voyez chez l'un ou chez l'autre? Est-ce que vous voyez dans une salle? Parce qu'il faut le piano aussi, ça c'est pas, on trouve pas Oui, bah ça alors partout. l'avantage, c'est qu'on n'habite pas très loin l'un de l'autre. De toute façon, à Bruxelles, enfin, en Belgique, rien n'est vraiment loin. Et puis lui, il habitait à l'époque à 20 minutes de chez moi. Donc on se voyait généralement chez moi parce que j'avais un piano. Lui, on avait un aussi, il était un peu moins bien. Et puis où est-ce qu'on trouvait le temps? Ben, on le trouvait parce que c'était du travail, c'était un engagement qu'on avait pris envers Flaget d'abord et puis envers Beethoven un peu aussi parce que c'était un peu le défi qu'on s'était lancé. Donc c'était un peu on va dire, ce travail-là était un peu la charpente de nos vies musicales individuelles aussi, parce qu'on n'a pas fait que ça, évidemment, pendant des années. Mais c'était une espèce de rituel, comme ça, on se retrouvait tous les mois, tous les mois et demi, parfois tous les jours, ça dépendait un peu des périodes, et des concerts éventuels qu'il y avait de prévus, pour travailler ce répertoire-là, parfois d'autres choses, mais dans un premier temps, c'était quand même très focalisé Beethoven. Et voilà, de fil en aiguille, on a construit ça d'abord en concert, pardon, puis en disque au fur et à mesure aussi. D'accord, justement, au fur et à mesure, moi je me souviens de vous avoir vu un jour en concert à Flaget. Les disques, donc je le disais, il y en a 3. Vous les avez travaillés comment? C'est-à-dire vous faisiez un disque et puis vous passiez au suivant, ou alors vous avez travaillé l'intégralité des sonates et puis vous avez enregistré par petits bouts, vous enregistrez dans le désordre, ou alors c'est intéressant d'enregistrer dans l'ordre. Comment ça se passe? Alors, on a enregistré dans le désordre, c'est-à-dire pas en
pas chronologiquement, mais ça, bon, ça c'est vraiment un choix qui n'a pas grand-chose à voir avec l'ordre dans lequel on a travaillé. Alors, nous, il y avait deux, trois trucs pratiques qui rentraient en jeu. On nous avait demandé de faire les 10 sonates en avril 2016. Alors, à ce moment-là, il n'y avait qu'un disque qui était sorti. Donc, on avait toutes les sonates dans les pattes, mais on n'en avait qu'enregistré, enfin, on n'avait qu'enregistré trois quelque part pour le premier disque. Donc, la genèse du premier disque était très différente des deux autres parce que le premier disque était un peu un coup, je dirais pas un coup d'un soir, mais bon, enfin voilà, c'était un truc qu'on avait lancé comme ça sans vraiment Un coup savoir d'essai, on va où dire. ça allait. Bon, un coup d'essai, merci, je ne suis pas francophone à la base, donc il y a des idées bizarres qui me viennent. Mais c'était une tentative, on ne savait pas du tout si on allait enregistrer le reste de l'intégrale. Et le premier disque a été bien reçu, du coup, on s'est dit, bon, bah. On a commencé, autant continuer et voir où ça nous mène. Mais c'est vrai que les deux disques suivants ont été quelque part de façon beaucoup plus planifiée et cette fois-ci-là ou ces fois-là, avec vraiment l'idée en tête de boucler l'intégrale au disque aussi. D'accord. Mais donc, si on devait répondre à la question, ça a pris combien de temps? Le projet, il est né un peu en 2016. C'est sorti Le en projet est né 2019, en donc 3 ans. 2012. En Le 2012, projet carrément. est Mais le premier né. Et il enregistrement, est. 2016? Le premier enregistrement en 2016, on a commencé à travailler la Kreutzer, la 9e sonate, qui était la première sonate qu'on a travaillée. On a commencé à la travailler en 2014. Et le dernier disque est sorti en 2019, fin 2019. Donc on peut dire qu'entre la première rencontre et le bouclage de l'intégrale au disque, on a mis 5 ans. D'accord. On dit toujours que la musique, c'est des mathématiques, et pour le coup, Julien, vous êtes meilleur que moi en calcul. Alors, est-ce Qu'est-ce qu'on qui a vous le fait croire droit, quand ça? on est musicien? Ben parce que moi, j'ai perdu le compte entre 2000, 2012, 2016, 2014, 2000, D'accord, voilà. alors je tente. Est-ce que Julien, est-ce qu'on a le droit, en tant que musicien, de préférer une des sonates, une des 10 sonates de Beethoven? Est-ce que vous avez un coup de cœur? Ah bah alors, votre première question, oui, on a le droit, on ne choisit pas, il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on aime un peu moins. Alors évidemment, quand on est tellement gâté avec ces 10 sonates qui sont quand même toutes à leur manière des chefs-d'œuvre, il n'y a rien à jeter là-bas ou là-dedans. Même celles qu'on aime le moins, on l'aime encore beaucoup. Après, bon, bah, voilà, après, il y en a qu'on aime parce qu'elles sont géniales, mais aussi parce qu'elles sont très connues. La 9e, la Kreutzer, c'est un bonheur. Après, l'avantage de faire un cycle intégral, c'est que on va au-delà des tubes quelque part. C'est-à-dire qu'on se fixe l'objectif de jouer tout, alors on apprend ce qu'on a déjà entendu et ce qui fait partie un peu de la conscience collective, la 9e sonate, la 7e aussi qu'on vient de jouer. Oui, le Mais printemps on en aussi, rencontre là, aussi, c'était quoi? C'est moi, cinquième, le le printemps? printemps que pour. Oui, grand tube, pour tout vous dire, si vous me demandez celle que j'aime le moins, c'est peut-être même le printemps. Peut-être parce qu'elle est trop jouée aussi, parce qu'on l'a trop dans l'oreille, parce qu'elle a un petit côté, à force d'être jouée tellement, un petit côté gnangnan. Donc, je suis méchant, elle est sublime, hein, mais voilà. Si je dois mettre une hiérarchie, je la mettrais plutôt en bas. Il y en a une que Je j'adore, qui est la comprends. troisième, Je comprends. qui est celle en mi bémol majeur, qui est une espèce d'immense. D'immenses jubilations juvéniles qui est juste magnifique. On dirait du Haydn un peu survolté d'ailleurs. Je pense, non, cet opus-là n'est pas dédié à Haydn, c'est dédié à Salieri, mais bon, bref, on est encore pleinement dans cette veine très très primesautière, comme ça, très juvénile. Et j'adore cette sonate-là, la troisième, qu'on entend assez peu. On entend autant que la septième, la neuvième, la dixième aussi, qui est magnifique, évidemment, qui est un peu la sonate à part, parce que les 9 premières sonates ont été écrites. Quasiment à la suite, et la dixième traîne derrière parce qu'elle a été écrite presque 10 ans plus tard. Donc c'est un monde tout à fait D'accord. différent déjà. Donc voilà, pour la petite hiérarchie entre les sonates. À propos de mondes différents, peut-être pour rebondir là-dessus, le monde dans lequel on est actuellement, surtout pour la culture, il est particulier. Ça a été quoi pour vous cette expérience d'enregistrer au Festival de Stavelot dans les caves, avec cette équipe, avec ces lumières? C'était quand même un cadre unique. Comment vous l'avez vécu? Alors, c'était assez particulier. Bah, c'était la première fois que je participais à une production du Festival de Stavelot, et j'avoue que j'avais tellement entendu d'histoires sur le fait que c'était tellement chaleureux, qu'il y avait tellement de monde, qu'il y avait un esprit de famille, que le public était tellement sympa. Je me disais, mince, c'est quand même pas de bol que je me retrouve pour ma première visite à cet endroit dans un truc pareil, quelque part. Parce qu'on est tellement. Voilà, quelque part, c'est un peu du confinement aussi, on est avec une équipe réduite. Alors là,
L'avantage, c'est que tout le monde, effectivement, qui était là, était incroyablement sympa. Donc, je comprends le vibe qu'il y a en temps réel et qui est tellement mythique. Après, bah, qu'est-ce que ça m'a fait? Bah, c'était chouette parce qu'on était bien entouré, parce qu'on aime cette musique, parce qu'effectivement, toute l'équipe vidéo, tout ça, a vraiment su créer une ambiance autour de cette sonate qui me paraissait assez pertinente. Donc du coup, voilà, c'était un peu moins difficile que d'habitude que de gérer le fait qu'il faut faire quelque part un enregistrement en une prise. Parce que normalement, quand on est face à des micros, en situation de studio, on sait qu'on peut le faire plusieurs fois. Et s'il y a quelque part un peu d'un mouvement, on en a un peu moins content, ben on refait le passage. Et puis après, il y a deux, trois petits trucs de montage qui se font. C'est comme ça qu'on fait en général les enregistrements. Alors là, il y avait l'ambiance, il y avait les obligations du live, avec le stress un peu du micro aseptisé. Donc il a fallu gérer ça, mais bon, on a eu le temps, et puis voilà, ça s'est très bien mis. Mais c'est vrai que c'est un peu ce que la situation actuelle nous impose. J'avoue que je me sens très reconnaissant envers tous ces festivals qui ont su transformer avec beaucoup de créativité, de bonne volonté, d'énergie, leur programmation live en quelque chose de virtuel, qui soit vivable, les artistes soient quand même rémunérés un peu. C'est tout à fait honorable. Donc j'étais ravi d'être là, mais j'espère comme tout le monde qu'on va bientôt ou assez bientôt retrouver quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on vivait avant et qui faisait quand même une des grandes raisons pour lesquelles on faisait ce métier, c'est-à-dire la rencontre avec les gens, le fait de monter sur scène, de voir les gens, d'avoir l'impression de parler à quelqu'un, d'avoir un retour en direct. Ce sera plus sympa quand ça sera de nouveau le cas. C'est sûr. Et puis d'ailleurs, j'en profite pour remercier toute l'équipe du Festival de Stavelot, la famille Micha, qui est cette famille qui organise depuis, je pense, c'était 63e ou 64e édition, mais depuis bien plus de 100 ans, la famille Micha, elle livre la musique à Stavelot, et puis surtout toute l'équipe de Coco Hours La Culture qui a ces belles images, et puis les festivals de Wallonie. Voilà, c'était le petit moment remercier. Julien, peut-être une dernière question sur l'avenir, puisqu'on c'est quoi l'avenir? C'est quoi les prochains projets? Alors, il y aura deux concerts en festival de Wallonie, à Beauvechenais, mais donc le reste de l'été se présente comment? Pour moi? Oui, pour bah oui, mais pour le monde aussi, D'accord. hein, si vous avez des Ah prédictions bah pour de le moi je monde, suis preneuse sur la je ne vais pas météo. m'aventurer sur les prédictions pour le monde. Pour moi, bah figurez-vous que j'ai encore un concert en Suisse là lundi, après quand même, curieusement, effectivement, un mois de juin et juillet assez chargé. Et après, je suis en vacances pendant une semaine, et puis je rentre à la maison et je travaille. C'est ce qu'on fait, quoi. On travaille du nouveau répertoire, on essaye de préparer la rentrée. Pour l'instant, j'ai rien de trop annulé de septembre. Donc, espérons que ça reste comme ça et on essaye de continuer malgré tout. D'accord. On me dit dans la régie que ma vidéo est un petit peu lente, donc je suis désolée auprès de tout le public pour cette petite connexion un petit peu capricieuse. Julien, justement, encore un mot peut-être sur votre collègue Lorenzo qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Vos prochains concerts, il y a quand même deux concerts en duo, encore les deux concerts à Beauvechain et tournée, ces deux concerts ensemble. Donc comment ça se prépare et puis ce sera quoi le programme? Toujours Beethoven? Alors oui, d'ailleurs en Suisse, l'Inde joue ensemble aussi. Et puis oui, pour l'instant, d'autant plus que l'année Beethoven a été un peu transformée en année Covid et donc Beethoven n'a pas eu son dû. Beethoven continuera à être le fond de notre programmation pour les mois à venir. Et puis on verra bien ce que l'avenir nous réservera. De toute façon, c'est assez flou. Mais il est indiscutable qu'on continuera de travailler ensemble. Parfait. Ben, en tout cas, on le souhaite et c'était un très très bon moment. Et on va donc donner rendez-vous au public. Alors, je regarde mes notes pour le prochain concert de vous, Julien, avec Lorenzo Gatto. Ce sera le 27 septembre à Beauvechain et le 11 octobre à Tournai. Et puis, les prochains rendez-vous aussi ici des Festivals de Wallonie connectés du Festival de Stavelot 2.0, ce sera ce dimanche 9 août à 20h30. Et ce sera sur Vedia, si vous habitez la région de Verviers, ou bien sur la chaîne YouTube des Festivals de Wallonie, on sera là. Et puis, il y aura aussi la semaine prochaine plusieurs concerts avec Reinoud van Mechelen, l'artiste associé de ces festivals de Wallonie, avec l'ensemble Kéops. Donc, je vous donne rendez-vous pour tout ça. Julien, merci d'avoir partagé ce moment avec moi, malgré la distance. On commence à avoir l'habitude, les C'est distances. vrai, mais pas trop quand même, pas trop. Non, pas trop.
Eh bien, Julien, merci beaucoup. Très belle soirée et Merci puis à vous. bonnes vacances et bon concert avec Lorenzo. Du coup, bonne continuation à vous. Merci Et puis beaucoup. à tout public, merci beaucoup d'avoir été là, merci d'avoir participé et je vous dis à très vite pour un nouveau concert connecté. Belle soirée à tous.